Yo! Je parie sur Duelist sur la première. Hey. Déjà, il dit même pas bonjour. Ok, elle a dit bonjour. Mais c'est quoi cette agression là? Eh. Hey. Hey. En mode, je suis un OTP Duelist? Ouais, mais juste une game Duelist. Attendez, sur le bon écran ça? Non. Très important de farm en même temps. Ok, on est bon. Deux Kog'Maw. Non, on va poser ça. On achète le shop, on chill. Wesh. Solid warmer. Who's next? They call me Jolly. They're right. Ok. Our wills align. This one got fire. Ok. C'est ma direction. Yo baby, il m'a spoilé 9 mois. C'est ce qu'on peut faire en 9 mois. Ok. Il y a le premier round, nice. 2, 4, 6. On peut faire un palier. Sinon, on push 5. Hein. On met Jax. C'est quand même dommage de pas rentrer un Jax 2, non? Nice. Ouais, il avait Aphelios 2. En même temps, il a pris Pick of the Litter. C'est normal d'avoir un 3 costé 2. Enfin, quasi. On m'a donné un Kane. Ouais, on n'en fait rien du Kane, non. Ça, sur un perso qui shield, a priori. Ça, on va mettre ici. C'est pas les meilleurs artefacts, hein. Ok, ça va. On vend tout. Une paire d'alone, mais on n'a pas de demi-morello. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon le Aatrox tire aussi il me parle. Ouh, aucun Azoé, c'était fast. Comme ça est-ce qu'on garde le gant pour un spell crit quand même. This world needs hope. Est-ce qu'on fait un steadfast? Je crois que c'est pas nécessaire. Ok. Peut-être près que ça y est plus fort que Bobuko. Pas juste plus fort ça. On a mis du temps à forger l'item. J'avais un trèche tout à l'heure. J'ai plus. Zoé 2. Ok.
Steadfast. Stoneplate TG. Oh le lotus me parle. Oh le lotus il me parle. On aurait pu mettre un 4 bruiser mais je sais pas si c'est vraiment mieux. Bah on pourrait mettre Aatrox Chain over Rek'Sai puis sa deuxième Zyra. Mais Rek'Sai c'est Dryad. Et Dryad c'est quand même cool, non? On peut mettre un chaîne tout court quoi. Mais le truc c'est que Behemoth c'est genre on gagne 25 d'armure et de magic resist sur un horn qui a déjà stone plate. Je trouve pas ça dingue hein. Il nous faut juste une Illaoi quoi. Illaoi c'est vraiment le perso qu'il me faut là. Là, vu la game, on va pouvoir slow roll le 8 pendant très longtemps. Ok, là c'est intéressant. Baguette pas Zoé parce que c'est peut-être Ionic Spark. This is necessary. Let's move. I've got people to inspire. Je pense que ça c'est quand même plus fort, non? Du coup là on veut Rabadon dans Nashor ou Gunblade dans Nashor. En fait c'est ce timing, tu vois, il y a toujours un mec dans la merde qui fait un 4-1, qui push roll down et qui te casse ta streak.
Parce que toi t'as pas besoin de faire un 4-1 et tu veux plutôt écho un round de plus pour faire un 4-2. C'est genre le différentiel est facile de 10 gold quand tu fais un 4-2 à la place d'un 4-1. Unified est pas mal ici. J'aime pas trop Gift. On va prendre Unified. J'ai un setup 4 Bruiser là pour le moment. On peut se permettre de garder là. On va slow roll. C'est pas certain. En vrai, c'est très dur de dire ce qu'on fait là. Je pense qu'on a assez de francs et qu'on va prendre un Zeke. Je pense qu'on s'en bat les couilles d'altruiste, on a Unified Resistance. Diana est ok aussi. En vrai, Diana est bien aussi. Vu qu'elle est niveau 2, c'est peut-être Diana à la place de ce Garen. Je me suis dit 5 Sorry Weaver, ça peut ajouter des dégâts. Tu me diras, Diana aussi, ça ajoute des dégâts vu que Sage, c'est pas mal. Bon, ce serait un arc et on fera un statique. On clique toutes les Lilia, toutes les Morgana. Moi, je pense qu'il faut bien prendre son temps là. On est stable et on n'est pas en streak, donc là je pense qu'on veut vraiment garder nos HP, garder nos gold et pas trop roll et juste attendre, juste être patient, voir comment les runes se passent, voir combien d'HP on arrive à économiser, voir ce qu'on arrive à natural roll. C'est le moment où il faut être patient là. Globalement de ce spot, il y a trois grandes idées. Reroll Zoé, etc. Changer le board pour Lilia Morgana, etc. Ou bien Fast 9. Il est ici mon spot. Je sais que vous allez tous me demander comment je sais. Bon, ça m'étonnerait qu'on joue le 4 Ghostly si. Ok, on a notre statique, c'est big. Il est pas si fort que ça lui hein. Enfin, il a quand même Keepers et Extended Duel. Mais son Lee Sin a un TG Horn au lieu d'avoir des vrais items, donc c'est pas si terrifiant que ça. Ok, Diana on va pas la faire 3. On peut aussi aller 9 et jouer Zoe 3 au 9 hein. On attend un tour, on fait un 9. On peut faire Shojin, Rabadon, statique sur un carry. Faire Red Buff Irelia. Et jouer du Dragon Lord. Ah, ça va être difficile de jouer du Dragon Lord vu le nombre de duelistes dans la game. Ah,
Ah du coup tous les duelistes ils ont leur Irelia. Je vais pré-level. On peut vendre Zyra. Ouais, je vais vendre une Janna. Honnêtement, on peut juste faire Zoé au 9. Hein. Au pire, on joue pas Riven. On cut Riven Sylas, tant pis pour Altruist. Je pense qu'on s'en fout d'Altruist anyway. Ouais, je pense qu'on cut Sylas. Sylas Riven, on met 4 Ghostly. Non, la Irelia, j'y crois pas trop. J'aime pas. Je pense que c'est Shoujin, je pense que Way 2 on s'en fout. On aurait pu prendre Reforge la spot porcelaine mais... Un peu d'hygiène sur les bords quand même. Me choque pas de rôle. Ok, Rakan par contre est cool. Ah bah non j'ai plus... Ok, voilà, c'est notre board. J'aime bien. Obligé de me taper, obligé de mettre 3 minutes par heure. Je suis désolé. Tiens, on voit de l'argent. Oh, merci mec. Ouh, point 2. Ça y est, on a tel point, on peut plus tuer Lucine. Ouais, bah il a Irelia 2 maintenant.
On va juste au 10. Hein. C'est pas très bien placé pour lui. Nice, il meurt. Je pense que c'est juste une warmog sur lui. Galio. Rakan peut être bien aussi. GG. It's first! Nice game.